Me voilà assis dans un avion de l'Aéroflotte, survolant un monde figé dans les glaces. On va skier au Kamchatka, une terre réputée sauvage et inaccessible. Petropavlovsk, la seule ville et porte d'entrée du Kamchatka. 200 000 habitants cloîtrés dans des dominos d'immeubles grisâtres. Avec vue sur des rêves d'ailleurs. Ici, la moitié de la population est pêcheur ou travaille pour les bases militaires. L'autre moitié attend la première. À peine arrivés, nous passons nos premières heures à contacter les personnes susceptibles de nous aider à organiser nos projets. Camper, grimper et skier. C'est pourtant par hasard que nous rencontrons la Kamchatka Freeride Community, un groupe d'amis possédant une auberge et organisant des voyages dans la péninsule. Ce sont eux qui, durant 3 semaines, seront à la source de toutes nos aventures. L'immensité et l'absence de réseau routier dans la région nous obligent à faire preuve d'imagination pour atteindre nos camps de base ou les sommets lointains. Ce voyage, c'est aussi une bonne excuse pour pouvoir vivre dans le wild, dans un village de pêcheurs abandonnés, se retrouver face à nous-mêmes, prendre le temps de passer le temps, explorer notre nouveau chez-nous, attendre que la tempête s'essouffle, un jour, 2 jours, 3 jours, pour finalement quand même skier dans la tempête. Et enfin, se laisser glisser. Magnifique.
putain, un ours au sommet du Kamchatka. Il fallait venir jusqu'ici pour le voir. Notre Kamchatka, c'est ça. Une intensité. Un cocktail d'éléments difficilement explicables. Quelque chose qui s'imprègne en nous, comme une mosaïque de visages, de paysages. Will be. Merci, Kamchatka.